Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis à B&M, donc à Land. Je vous emmène faire un tour côté organisation, rangement, je dirais plutôt côté cuisine, cellier, garde-manger, voilà tout ça. Je vais vous montrer les petits gadgets sympas, les bacs, les pots, enfin bref, tout ça. Ok, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à liker. Allez, je commence ici avec ce petit support à épices en métal que vous pouvez poser ou accrocher. Pourquoi pas, c'est pour acheter des petits crochets. Mais à la base, celui-ci, il est à poser. Vous pouvez mettre jusqu'à 28 pots d'épices, à épices, pardon. Petit format, hein. Ils sont à 5 euros, ceux-là. Support ici, pots à épices, 9,99 €. Là, c'est vraiment des pots, des petits pots quoi. Par contre, ça prend pas de place. Ça, c'est cool. 9,99 €. Alors, ici, vous avez cette jolie boîte à pain. 9,99 €. Petite panière ici à 5,99 €. Vous pouvez y mettre, regardez, en vos œufs, oignons, pommes de terre, pourquoi pas. 5,99 €. Également, ce genre de pot. Oh, attendez. Ça tombe. Thé, café, sucre. 12,99 €. Thé, café, sucre, voilà. Pour ranger ici tout ce qui est vos ustensiles de cuisine. 2,46 €. On a également ceux-là à 6,99 € en noir mat. Ils sont sympas, hein. Ensuite, en panière, vous avez également celle-là. Ce modèle. Donc pour 8,99 €. 8,99 €. Voilà. Pareil, on pourrait mettre les pommes de terre, les oignons, les œufs, pourquoi pas. Panier à fruits, 4,99 €. On a donc les mêmes panières, mais de forme carrée pour le coup. 6,99 €. Alors. Ici, vous avez des petits trolleys sur 3 niveaux, facile à assembler en noir, avec des roulettes. On est sur une hauteur de 78 cm, largeur 45 et profondeur 34. 29,99 €. Panière rectangulaire comme ça avec 2 niveaux. Vous pouvez mettre vos fruits, pareil les oignons, pommes de terre, pourquoi pas. 11,99 €. Après, en trolley, vous avez aussi en dessert, vous avez celle-ci. 4 sur 4 niveaux, en blanc ou en noir. 15,99 €. 86 de haut, 38 de large et 26,5 de profondeur. Alors, regardez ici ce que nous avons, des petites boîtes pour le réfrigérateur et elles sont donc compartimentées. Il y a 2 compartiments. Donc, genre, des petites panières à l'intérieur avec le couvercle. Voilà, vous pouvez mettre vos petites tomates cerises par exemple. 1,08 €. Celles-là sont plus grandes et il y a 4 compartiments. Ça c'est bien. Franchement, vous pouvez mettre. Oula, je vous ai fait un gros zoom. Attendez, hop. Vous pouvez mettre vos petits radis, vos petites tomates cerises, les mini carottes, pourquoi pas. 1,96 €. Ensuite, vous avez ces boîtes de rangement à 3,99 €, compartimentées. Et le vous voyez la petite séparation là? C'est vous qui la mettez où est-ce que vous souhaitez. 3,99 € avec le couvercle. Hein. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez empiler. 3,99 € pour celui-ci avec, en plus de ça, une petite poignée ici. Je trouve ça super pratique. Et le couvercle. Donc du coup, vous pouvez en mettre plusieurs. Franchement, vous mettez ça comme ça dans votre frigo. Tac, tac, tac. Ou même dans les placards, pourquoi pas. Vous pouvez mettre vos petits biscuits, voilà, les gâteaux dedans, les fruits, les légumes, comme vous voulez. Vague de rangement pour frigo. 31 par 14 par 10, 4 €. Il y a aussi ce modèle-là, regardez, à 4,99 €. Belle petite boîte, hein, en acrylique comme ça, avec 2 petits paniers blancs. Pareil, là, vous l'avez, vos petites fraises, vos myrtilles, vos framboises, vous les mettez à l'intérieur. 4,99 €. Ensuite, vous avez celle-ci à 5,99 €. Bac de rangement pour le réfrigérateur. 5,99 €.
Vous avez ceux-là sans le couvercle, 3,99€ avec la poignée. Et puis on a également ce modèle-là. Ça, par contre, si c'est en haut, c'est en promo à 1,04€. Des petits paniers de rangement, soit pour le frigo, même pour les placards. Hein. Les poignées, c'est super pratique. 58 centimes rangement, comme ceci, extensible. 58 centimes, voilà. C'est pas cher du tout. Ceux-là sont à 1,49€ et là vous pouvez les empiler. Ça peut être pour le frigo. Vous voyez, c'est ajouré là, enfin, donc l'air passe et tout. C'est cool. 1,49€. Celui-ci, il est compartimenté. Les compartiments, je sais pas si on peut les enlever ceux-là déjà. Si, vous pouvez les enlever. 5€. Voilà, pour mettre vos fruits, vos légumes. On peut aussi l'utiliser dans les rangements placards pour pouvoir y mettre les sachets de thé, je sais pas, toutes les réserves et tout, pourquoi pas. Il y a aussi ce format-là à 1,88€. Organisateur donc de réfrigérateur. 1,88€. Celui-ci est plus grand, c'est 2,68€. 2,68€ pour ce format. On a, ça c'est bien, moi j'en avais acheté un. J'en ai acheté un ici. Et j'ai mis mes pois épices. 2,44€ les amis. Les plateaux tournants. 2,99€. Étagère pliable. Ah oui, il y en a une là. En gros, ça donne ça. 4,99€. Vous pouvez le mettre sur plan de travail dans vos placards pour gagner vraiment tout l'espace. Hein. 4,99€ et perdre aucun espace. En acrylique, c'est sympa. Hein. Alors après, vous avez des rangements comme ça aussi en plastique avec le couvercle hermétique. 5,99€. Je ne sais même pas combien c'est de litres de contenance. En tout cas, c'est le grand format. Celle-là, 3,99€. Et 2,99€. Après, vous avez celle-ci à 4,49€. Et les plus grandes pour les spaghettis à 4,99€. Sinon, vous avez également ces rangements comme ceci à mettre dans vos placards pour optimiser l'espace. Même dans les casseroliers. Moi, je les mets aussi dans les casseroliers. Hein. 4,99€, ça se présente comme ça. Ensuite, vous avez les organisateurs de vaisselle à 3,99€, un peu comme le système que je viens de vous montrer en acrylique. Alors celui-ci, il a l'air d'être un petit peu plus solide, je pense. 3,99€. Uniquement en blanc, là. Alors, rangement pour tout ce qui est... capsules, ça peut être aussi pour les dosettes, les sachets de thé. Vous avez ce petit ce petit tiroir. Sur le dessus, vous pouvez mettre votre petite cafetière ou bien votre théière avec la bouilloire. 15,99€. Voilà, 15,99€. Après, vous avez les rangements pour capsules comme ça à 4,19€. Vous pouvez mettre jusqu'à 32 capsules. Et là, c'est... Ah oui, porte-capsule, donc tiroir. Un peu le même système que celui-ci. Hein. Avec le tiroir compartimenté, 16,99€. Après, vous avez tout ce qui est pour, comme ça, de conservation, pour l'organisation et rangement du thé, café, etc. Vous avez ceux-là vendus par 3, en céramique à 12,99€. Donc il y a thé, café et sucre. Après, on a ce modèle-là à 12,99€. Ceux-là. 12,99€ aussi les trois. Vous avez ceux-là avec le couvercle en métal noir. Ou encore ceux-là, 12,99€ à poser sur le plan de travail avec le petit support. Alors après, on a aussi ce genre de bac. 4,99€. Il reste que ceux-là, sinon on a... habituellement il y a aussi les plus grands. 4,99€ pour mettre l'ail, l'oignon. Et d'ailleurs vous pouvez les superposer. Hein. Vous pouvez les mettre les uns sur les autres. Étagère d'angle.
c'est bien aussi pour optimiser votre espace, hein, 15,99€ sur 3 niveaux. Et bien voilà mes petites femmes d'amour, moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ce petit tour chez B&M vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, bye bye.